Et salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de deck, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature, c'est un deck Molosse Ballon. Alors on va tout de suite aller voir le deck maintenant. Alors en plus, le deck en plus de jouer en Molosse joue aussi le mineur, donc voilà. J'espère que vous avez les légendaires, mais si vous avez les cartes, ce deck franchement est absolument dingue. Je l'ai découvert grâce à quelqu'un qui s'appelle Mr. P. En fait j'avais organisé un petit tournoi, j'avais d'ailleurs donné toutes les informations sur le tournoi sur mon Twitter, donc je vous invite à me suivre si vous voulez d'autres tournois comme ça. Mais voilà, ce fameux Mr. P donc est venu à mon tournoi et nous a tous explosé, comme vous pouvez le voir, avec ce deck-ci. Donc voilà, donc tout simplement j'ai décidé de tester ce deck aussi bien en tournoi qu'en ladder, et à ma grande surprise finalement, eh bien il a très bien marché, et donc ça a été une super agréable surprise, et j'espère aussi que ça l'est pour vous, que cette vidéo vous étonne, parce que c'est un petit peu le but aussi. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce deck? Je vais aller rapidement sur la présentation de ce deck. Si vous voulez plus d'informations, évidemment il y a le lien vers l'article Millennium dans la description de la vidéo. Donc voilà, il y aura plus d'informations sur l'article Millennium. Ce que je peux vous dire rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est que le combo principal, c'est le Molosse de lave avec le ballon, évidemment. Vous avez beaucoup d'autres combos, et notamment, vous avez le Molosse de lave plus le mineur, avec les roquets de lave qui vont taper la tour pendant que le mineur fait distraction. Après, vous pouvez aussi associer notamment les barbares à soit le ballon, soit le Molosse pour faire un push, et notamment éviter une tour de l'enfer. Donc ça, c'est un truc qui est plutôt sympa à faire. Aussi, quand vous balancez un push, ayez toujours un des deux sorts de prêt au cas où le gars vous joue tout simplement des gargouilles ou une horde de gargouilles. Ayez également le mineur de prêt quand vous faites un combo Molosse ballon pour aller gérer un sorcier glace ou une mousquetaire, c'est toujours pratique. Et dernière chose, ne lancez pas un combo Molosse ballon avant le double élixir. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Encore une fois, si vous voulez plus de précisions, c'est dans l'article Millennium. Et sur ce, on va tout de suite passer au gameplay, c'est parti. Ok les gars, on est parti dans un premier gameplay contre Aiden, je ne sais pas, qui joue un deck géant, mais pas géant poison. Il joue un deck géant un petit peu old school en fait. Vous allez voir ça. Bon, lui, il a de la chance, il a la pompe à mon départ. Moi, j'ai pas de pompe, hein. Le deck coûte 4,1 avec, enfin sans pompe, pardon. Donc il est très très cher, faut pas faire d'erreur. On va voir un petit peu comment je me débrouille. Donc face à ce deck, on voit qu'il joue quand même les barbares, il joue la horde. C'est plutôt bien pour moi parce que moi je joue les flèches et la boule de feu. On va voir comment je m'en sors. J'ai commencé avec un Molosse de lave directement, et là vous voyez que je commence avec le combo directement Molosse ballon, ce qui est déconseillé, mais là j'avais pas trop le choix. Vous allez voir que je vais être tout de suite en difficulté en fait à cause de ce combo, parce que là vous voyez il met la horde et je n'ai rien pour la gérer. Enfin, heureusement pour moi, je vais quand même avoir des dommages sur la tour et je vais quand même réussir à prendre la tour. Mais vous voyez que à gauche, j'ai tout simplement rien pour gérer son géant, et donc je vais tout simplement attendre et essayer de mettre des gargouilles. Mais il va me les flèches en fait, donc ma tour va tout simplement être très très mal en point. N'empêche que j'ai réussi à prendre l'avantage. C'était risqué, c'est vrai que vu ma main de départ, j'avais pas grand chose d'autre à faire. Mais bon, on voit que là, très nettement, il a un énorme avantage en élixir puisqu'il vient de poser une pompe et il est toujours devant moi en élixir. Donc très clairement, j'ai un gros désavantage en élixir et j'ai une tour qui est mal. Donc vous voyez, c'est vraiment pas le genre de push à faire, mais parfois dans vos mains de départ, bah, vous devez un petit peu vous adapter. Un Molosse que je place dans le fond du terrain. Il reste 1 minute 30, 30 secondes avant le double élixir. On va tamponner un petit peu. On va surtout défendre en fait. On va mettre les gardes évidemment pour défendre de ce prince, et une boule de feu évidemment pour aller gérer les barbares derrière. Ça devrait être ok. On fait de la value là-dessus. Et par contre, vous voyez que j'ai encore une fois plus d'élixir dans ma main, et il y a un géant qui arrive sur ma tour de droite. Je vais obligatoirement mettre les flèches sur la horde puisque ça fait aussi de la value. Et mon Molosse qui va aller taper un petit peu sa tour du roi. Moi je vais devoir défendre encore une fois son géant. Les flèches vont pas tarder à arriver sur mes... Ah non, elles vont pas arriver en fait. Il va pas flèche mes minions. On voit cette fois que j'ai les deux tours qui sont mal. Je tente là le 3 étoiles directement parce que je sais que je vais être mal sinon. Enfin, ça sert à rien que je tente le 2 couronnes, parce que si lui me rattrape en 2 couronnes, je suis foutu en fait. Je suis absolument foutu parce que mon push est trop lent. Donc là pour l'instant je me concentre sur la défense, et après vous allez voir, je vais construire une grosse offensive pour tout simplement essayer de lui prendre sa tour du roi. Donc je vais mettre un Molosse dans le fond. Il me semble, oui c'est ça, je vais mettre un Molosse dans le fond. Et je vais tout simplement partir, voilà, je vais gérer vite fait la princesse pour pas non plus que ça soit trop facile pour lui de prendre ma tour à gauche. Et je construis encore une fois mon offensive lentement. Je vais mettre normalement les barbares. Non, je vais mettre un ballon, ok, ah oui, c'est ça.
Pardon, autant pour moi. Autant pour moi. En fait, je vais laisser prendre ma tour de gauche avec le géant pour encore une fois gagner en élixir. Et là vous voyez en fait il va me détourner avec sa bomb tower. Et du coup en fait je vais partir directement à gauche en double molosse. C'était pas prévu que je fasse comme ça, mais finalement c'est lui qui m'a orienté vers sa tour de gauche. Donc je vais tout simplement foncer vers sa tour de gauche. Et en fait voilà, donc là c'est la game est pliée hein. Je suis sur sa tour de gauche, il a perdu. Mais en fait ce que j'ai fait là dessus c'est que j'ai préféré laisser le géant prendre ma tour de gauche. Il a tenté un prince à droite pour me prendre de court, mais j'ai décidé de pas défendre le géant. Donc j'ai pu défendre avec mes gardes le prince de droite et j'ai pu mettre un ballon à droite. Du coup il a dû paniquer, il a dû rediriger mon push vers la gauche, mais du coup j'ai pu prendre sa tour facilement et c'est une battle de gagner. Bref, en fait ce qui est intelligent dans cette game, ce que j'ai fait c'est que je l'ai laissé prendre ma tour de gauche pour faire un gros push. Et ça c'est souvent quelque chose que vous devez faire dans ce type de deck un petit peu lourd et avec une grosse capacité offensive, c'est que vous devez parfois sacrifier une tour pour mieux avoir votre adversaire. Et c'est exactement ce que j'ai fait dans cette game. On est parti les gars dans une deuxième game contre un chinois, Ting. Apparemment il joue un deck, bon là vous le voyez pas, mais il joue un géant ballon. Un géant ballon d'assez haut niveau, il est niveau 11, mais son géant ballon, je crois que, enfin, son ballon doit être, je crois que son géant est niveau 10 et son ballon niveau 6, donc c'est assez balèze. Moi j'y vais comme d'habitude avec un petit molosse en fond de map, quand je peux ouvrir avec ça, c'est toujours sympa. Je vais pas mettre le ballon derrière cette fois, je vais boule de feu, c'est barbare évidemment, enfin je vais flèche. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui d'accord, ok, donc en fait je me dis je vais me concentrer plutôt, voilà, je vais mettre des gargouilles, je me suis dit ça se trouve il a pas les flèches, et en fait il avait les flèches, peut-être un petit peu mal joué de ma part ici. Le ballon va gratter à gauche, sur ma tour de gauche, il va tout simplement tuer ma tour de gauche. Et moi, je vais tout simplement gratter des dommages en fait sur la droite avec mon molosse. Et je vais même envoyer un ballon derrière, enfin une boule de feu pour gérer les gargouilles et un ballon ensuite. Pour essayer d'aller prendre sa tour de droite en fait et remettre un petit peu les compteurs à zéro. Malheureusement, vous allez voir que mon ballon ne va pas arriver à détruire cette tour. Elle va quand même bien la descendre, hein, puisque voilà, avec la bombe, ça la descend à 315 points de vie. Et on voit qu'on est à peu près à autant d'élixir. J'ai un petit avantage, mais pas grand chose. Il a quand même une princesse sur le terrain, donc bon, en fait, il a un avantage de 3. Mais bon, on va essayer de faire avec. Donc encore une fois, un début de game compliqué pour moi. Le début de game, souvent, avec ce deck, c'est compliqué parce que vous êtes très lourd. Vous faites souvent avoir. Bon, c'est pas très grave, enfin, faut faire attention. Les barbares qui vont venir gérer son géant 10. Ensuite, je vais mettre tout simplement les gargouilles pour aller un petit peu dépop son ballon. Les flèches, évidemment, qui arrivent et qui sont très néfastes pour moi. Et là, ma tour qui est déjà à 268 points de vie. Mais voilà, je vais contre-attaquer. Je me dis bon, je vais essayer de prendre sa tour principale et ensuite je vais foncer sur la tour du roi, hein, parce que j'ai pas le choix évidemment à ce moment-là. Je vais essayer. Là, heureusement pour moi en fait, mon ballon est encore full vie quand il arrive à la tour. Il a plus d'élixir, donc je vais pouvoir avoir des dommages sur la tour du roi. Je vais mettre un petit mineur ici qui va tout simplement aller gérer un petit peu tout ça. Ça va permettre aussi à mon barbare de remettre des coups sur la tour. Sa tour du roi qui tombe à 2650 points de vie. Je suis toujours mal dans la game, mais là en fait je vais tout simplement foncer pour le 3 couronnes. Pour foncer, enfin je fonce pas parce que ça serait débile de faire ça, mais je vais tout simplement partir du fond et essayer de faire un gros push. Ici je vais mettre les gargouilles pour aller gérer le ballon évidemment. Le géant qui va se faire dépop par les barbares. Et là, bon voilà, le ballon 6 qui va se faire un petit peu plaisir sur ma tour du roi. Je vais quand même défendre et là vous voyez, ça va être quand même compliqué pour lui d'aller chercher ses 1300 points de vie. Et moi par contre j'ai une grosse offensive qui arrive. Vous voyez que je relance un ballon derrière. Lui il va essayer d'aller à ma tour du roi. Mais tout simplement regardez mon offensive que j'ai construite depuis le fond du terrain. Finalement va totalement le rect avant qu'il ne puisse rien faire. Et je suis même pas sûr que son géant seul soit arrivé au bout de ma tour avec les barbares qui étaient en bas. Donc finalement voilà, là typiquement dans cette game là ce que vous voyez c'est que même si vous devez foncer sur la tour du roi pour gagner, il faut pas le faire n'importe comment. Là vous voyez j'ai quand même pris mon temps. J'ai construit un push pour aller à sa tour du roi. Et c'est parfois vraiment ce qu'il faut faire. Il faut pas paniquer parce que sinon vous faites contrer trop facilement et vous perdez la game. Dernière game de cette petite présentation de deck les gars. C'est contre un deck géant royal. Un deck géant royal bah, qu'on voit plus trop, mais qu'on voit quand même de temps en temps. Donc contre Eduardo de Supremacia BR. Ok très bien. Là on voit qu'il joue le sorcier de glace donc dans le fond de la map du même côté que mon molosse. C'est pas forcément super bien pour moi parce que le sorcier de glace ça me ralentit quand même énormément mon push déjà trop lent. Mais bon, voilà, on va faire avec. La boule de feu pas super bien placée, je vous l'accorde aussi. Les esprits de feu qui vont faire mal, mais bon, qui vont aller sur mon molosse, donc ça c'est plutôt bien. Les gardes derrière qui vont gérer le restant de barbares. Et là on voit que finalement j'ai quand même vachement bien géré son offensive.
Et j'ai même mes gardes qui sont en train de contre-attaquer. Le mineur, regardez, sur la tour qui va servir de distraction. Le combo dont je vous parlais en début de vidéo servit de distraction au roquet de lave. Et là, boum, mes petits serviteurs qui arrivent derrière. Heureusement pour lui, il va zap, sinon j'aurais eu la tour, très clairement. Et là on voit que j'ai quand même pris un ascendant de fou dans cette game. Là, même s'il a un sorcier de glace sur le terrain, j'ai quand même un avantage en exerce. Je vais laisser gratter le sorcier de glace, je le défends pas volontairement. Aussi parce que il a les esprits de feu, je les ai vus. Donc je sais que si je mets mes barbares pour défendre le sorcier de glace, il va me les dépop avec l'esprit de feu, ça va faire aucun effet. Donc je préfère prendre des dommages. C'est pas très grave de prendre des dommages avec ce deck, c'est même intelligent de gagner l'élixir comme ça. Là évidemment, il a bien joué ses esprits de feu. Du coup je vais flèche en fait, parce que en fait, j'aurais pu éviter de flèche je pense. Mais je vais flèche pour vraiment pas me prendre de dommages des gobelins qui auraient pu faire très très mal. Surtout si le géant royal n'est... enfin, s'il restait un tout petit peu plus de vie au géant royal, ça aurait pu me faire très très mal. Ma tour aurait pu tomber en fait, tout simplement. Donc j'ai préféré sécuriser. Ici le mineur qui va évidemment mettre énormément de dommages pendant que le sorcier de glace est occupé. Notre sorcier de glace et la tour sont occupés ailleurs. Et là tranquillement je vais prendre sa tour sans pression. Et je vais, voilà, tout simplement, voilà, les roquets de lave qui font le travail. Ici, il a quand même zap, mais ça n'a pas suffi. Le zap d'assez haut niveau d'ailleurs, parce qu'il one-shot mes roquets, ça j'aime pas trop. J'aime pas trop, mais bon, c'est pas très grave. Et là, je vais encore une fois, je vais partir pour le 3 couronnes. Hein. Comme souvent, il faut partir sur le 3 couronnes avec ce deck-là, ça permet vraiment d'obliger l'adversaire à défendre au final. Là par contre, ces esprits de feu qui font encore une fois très très mal, je vais mettre les barbares derrière. Encore une fois, c'est pas très grave si je perds la tour, parce que je pars sur le 3 étoiles, enfin sur 3 couronnes, j'ai du mal. Le ballon ici qui va se faire totalement dépop. J'ai bien flèche ici pour avoir les gobelins ainsi que la princesse. Là il va mettre ses barbares, ok très bien. Je vois que mon ballon est totalement dépop ici, donc là je peux rien faire du tout. Il va m'avoir ma tour et je vais tout simplement reconstruire un push tout doucement du fond du terrain pour aller à son 3 couronnes. La boule de feu ici qui va toucher aussi le mineur, plutôt bien joué. Les petits serviteurs qui vont s'occuper du géant royal, pas très grave si on prend des dommages à gauche. Encore une fois on vise la tour du roi et on construit un push pour ça. Ce qui est pas mal, c'est qu'il me ralentit en fait mon molosse de lave. Donc ça me laisse le temps de défendre tout en construisant le push. Je vais mettre des barbares ici pour attirer ces barbares. Il essaye de me mettre la pression, mais ça ne marche pas, les gars. Ça ne marche pas. Et moi, j'arrive à construire un truc. Regardez, j'ai encore pas mal d'élixirs. Je vais pouvoir tout simplement poser un deuxième molosse, un ballon derrière. Et j'ai mes troupes, donc barbares et serviteurs, qui arrivent derrière pour tuer les unités de soutien. Ici, voilà, la princesse qui meurt, le sorcier glace qui meurt, le mineur qui va sur l'autre princesse. Et là, regardez, il ne peut plus rien faire. Ballon sur sa tour, panique à bord. Les roquets de lave qui arrivent, le mineur qui sert de distraction, les gargouilles qui arrivent derrière. Il sait plus quoi faire, il sait plus où donner de la tête et il se fait 3 couronnes. Voilà les gars, je pense que vous avez eu un bon aperçu du deck ici. Vraiment la construction des gros push pour que votre adversaire ne puisse rien faire tout en gérant la défense, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour gagner avec ce deck. Voilà les gars, c'en est tout pour cette présentation de deck. On est à 3900 trophées avec. Je suis monté avec. Hein, on est combienième actuellement? On est 107ème. Voilà, 107ème. C'est bientôt la fin de la saison. On est 107ème français. On va essayer de monter un peu plus, évidemment. Je vous mettrai peut-être un screen. Enfin, je vous aurais mis un screen sur Twitter parce que je pense pas que cette vidéo va sortir tout de suite. Mais c'est intéressant de le faire avant le reset de trophée en fait, tout simplement. Parce que sinon, on va. Enfin, Ah, quoique maintenant le reset est à 4000, je sais pas trop. Mais voilà, je préférais le faire avant le reset histoire qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, donc pour ce deck, franchement, j'ai été agréablement surpris par l'efficacité de ce molosse ballon. Vraiment, je vous invite vraiment à le tester si vous avez les cartes et évidemment à me faire vos retours dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ce n'est pas un géant poison, donc vous pouvez mettre le pouce bleu sans problème. J'espère que vous avez apprécié et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.